Vous savez, il y a, dès le au XVIe siècle, Montaigne disait, tout homme est mon compatriote. Et même si je remonte plus loin, le poète latin Terence disait, je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Déjà donc, dans notre culture, nous avions les germes de ce que nous pouvons aujourd'hui appeler la terre patrie. Mais pour que nous puissions l'appeler la terre patrie, il a fallu de très nombreux événements et notamment ce qu'on appelle la mondialisation. La mondialisation, en mettant en relation indissoluble tous les humains de tous les continents, de toutes les nations, a créé, sans l'avoir voulu, une communauté de destin, une communauté de destin, finalement, face à des dangers que cette même mondialisation a créés. Par exemple, on peut dire que le danger planétaire de la dégradation de la biosphère a été lui-même provoqué par le déchaînement techno-économique sur le monde, dans tout partout, d'une puissance déchaînée par l'appétit de l'argent. Donc, si vous voulez, cette dégradation vient de la dynamisme de notre civilisation et même d'un mythe que l'homme doit dominer la nature. Donc, nous avons ce problème, mais nous avons beaucoup d'autres dangers, notamment dans l'appauvrissement de populations massives et l'enrichissement d'une minorité, l'accroissement des inégalités, le fait que les communications mondiales ne créent aucune compréhension entre les peuples. Au contraire, nous voyons des gens se refermer. Donc, nous avons cette. Mais alors, une communauté de destin, mais cette communauté de destin, elle est fondée sur quoi? Sur le fait que la Terre, sinon au départ notre patrie, elle est déjà notre matrie, notre mère. Nous sommes des enfants de la Terre. Nous sommes des enfants de l'évolution biologique. Nous sommes des enfants de la nature. Nous sommes des enfants de la vie. Nous avons. Par notre culture humaine et notre cerveau, nous croyons avoir dépassé, nous avons des qualités qui n'existent pas ailleurs, mais nous avons toutes les qualités de vie et nous sommes liés à ce monde. Alors, ce terme de terre-patrie montre aussi que, il y a une unité humaine anatomique, physiologique, psychologique, etc. à travers une énorme diversité humaine elle-même, anatomique, physiologique, caractérielle, etc. Et pas seulement entre individus, mais entre les cultures, chacune avec sa langue, chacune avec sa musique, chacune avec sa littérature, avec ses danses. Donc l'unité dans la diversité de l'espèce humaine, c'est ça sa richesse, mais comme déjà des nations comme la France, comme l'Espagne, qui sont des nations une, mais qui ont une diversité de composants comme les Bretons, les Alsaciens, les Occitans. Donc l'unité respectant la diversité, c'est ça qui fait la base de notre terre, patrie. Nous sommes liés à elle. C'est notre maison, comme l'a dit très bien à son époque Gorbatchev, une maison commune. Peut-être que nous pourrons voyager parmi quelques planètes, mais ce seront des étapes, ce ne sera pas notre domicile. Donc, nous avons ça. Mais il y a une tragédie. Quelle est cette tragédie? C'est qu'au moment où il y a effectivement cette communauté de destin, la conscience de cette communauté de destin manque. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que partout, les êtres humains sont angoissés. Ils sont angoissés par un futur incertain. Ils sont de plus angoissés maintenant par cette crise épouvantable
qui se manifestait d'abord sur un plan sanitaire avec le Covid, le virus, et qui se manifeste sur le plan personnel pour chaque individu, pour chaque famille, avec le confinement, qui se pose aussi dans tous les pays. Donc nous avons cette communauté de destin, la pandémie nous le montre d'une façon évidente. Mais en même temps, nous avons vu que devant la pandémie, chaque nation s'est refermée sur elle-même, il n'y a pas eu de coopération. Donc la tragédie, c'est qu'au moment où on devrait prendre conscience de cette terre patrie, et qui devrait alors, si l'opinion dans le monde était assez forte, elle pousserait les États, les gouvernements, l'ONU, à aller dans un sens qui permettrait de nous sauver des périls terribles dont je viens de parler. Cette conscience, malheureusement, ne s'est pas assez développée, et donc nous avons une mission, c'est de développer la conscience que nous sommes des enfants de cette patrie, qui ne nie pas du tout nos patries originaires. Ça ne vous empêche pas d'être autrichien, ça ne m'empêche pas d'être français, je suis très content d'être français, mais je suis aussi un citoyen de la terre, et ça, c'est une chose pour laquelle je veux contribuer, avec l'aide de mes amis autrichiens qui lancent cette campagne merveilleuse pour la terre patrie.